our delegation has put together to bring with us to Brazil. Because we all come from across Canada, we've invited youth groups from across Canada as well to contribute to this message of solidarity that we will take with us for those present at the People's Summit. De notre délégation ont demandé à plein de groupes un peu partout au Canada de faire chacun un carré. So this is our banner. It has an image of a bison on it, which is the symbol of Manitoba. La bannière a été signée par les membres de Développement Impact Manitoba, ainsi que les paroissiens de la paroisse Saint-Ignatius et la paroisse de la cathédrale de Saint-Boniface. Donc voici la bannière qui a été réalisée par les membres de Développement Impact lors de l'Assemblée générale qui a été faite au mois de mai, avec des beaux messages d'espoir et de solidarité. Cette bannière a été peinturée par les enfants de la liturgie avec enfants de la paroisse de la cathédrale de Saint-Boniface. So this banner was made by the students of the Social Justice Club at the school I teach at in Winnipeg, Manitoba. Ce carré-là a été fait par les jeunes du groupe Inukshuk de la pastorale jeunesse de Saint-Arsène et de l'émission Santa Teresa à Montréal. Alors, cette bannière-là, Solidaridade Ecologica, en fait, ça parle de la solidarité écologique. C'est une bannière qu'on a fait lors de la Nuit Blanche, une activité qu'on avait organisée avec Développement Impact et le groupe de jeunes. A group of us for development and peace at our university, we were doing a high school workshop and they invited me to speak at their school about the difference between solidarity and charity models, specifically within the realm of ecological justice and the campaigns by Development and Peace, and then also about how we're carrying this message to the Rio+20 event in Rio de Janeiro. Alors, c'est la bannière participative qu'on va apporter au sommet.